J'ose pas me peser, ça me stresse. Et enlève tes chaussettes aussi. Moi, je te dis, tant que tu vois ton zizi quand tu fais pipi, c'est que t'es pas gros. Et qui veut du cochon vegan? Mais pourquoi j'ai tout le temps faim? Mais parce que c'est bon. La bouffe, c'est le kiff. C'est le kiff. Mais c'est pas de la gourmandise, c'est de l'angoisse. Et tu vas devenir obèse avec du diabète et le cancer du côlon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regardez autour de vous. Tous les grands hommes, ils sont minces. Tous les grands hommes. Alain Juppé, pas un pet de graisse. Antoine de Caunes, pas un pet de graisse. Et le Bouddha, il a du bide, hein, je te signale, le Bouddha. Ah, moi, j'adore. Le Bouddha, j'adore. Hein. Même la croûte en plastoc, je la mange, regarde. Tout ce que tu manges aujourd'hui, tu vas le payer tôt ou tard. De toute façon, moi, je sais pourquoi je me bourre. Je suis stressé par l'avenir. Exactement, tu compenses le vide existentiel par du gras. Et plus je suis stressé, plus je bouffe. Et plus je bouffe, plus je suis stressé. Et plus je suis stressé... C'est bon, ça va, on a compris. Hein. Hey, les mecs, une texane pour 4, ça vous va? Et je fais le quatrième. Sans les oignons, hein, pour moi. Ah non, mais c'est hors de question. Et maintenant, tu vas te peser. Eh ben, je me peserai lundi, voilà. Le régime, c'est lundi, voilà, et ben, et je décalerai la voisine à vendredi, voilà. Non, mais tu te rends compte que c'est la troisième fois que tu décales une soirée d'amour à cause de ton petit ventre? Et puis, vous savez quoi? Et bouge-toi les oreilles, toi. Il y a le plaisir de faire popo aussi. La bouffe, c'est la vie, je vous Allez, dis. Allez, juste une part de pizza. Tu sais à qui tu vas ressembler si tu continues à faire le yo-yo? À Benjamin Castaldi. Parfaitement. Bon, allez, d'accord, je me pèse, allez. Vous avez 4 kilos en trop. Putain, 4 kilos en trop, mais je suis énorme. Allez, moi, j'en peux plus, passe-moi des chips. Non, mais calme-toi, moi, je te conseille un régime absolument épatant, à base de racines et de viande à la vapeur, c'est le régime préhistorique. Yeah! On va bouffer du mammouth. Super. Et les mecs, vous me laissez les couilles. Merde, c'est la voisine qui veut que je monte. J'ai 4 minutes pour perdre 4 kilos. Quoi, là, maintenant, tout de suite? Bon, ben, liposuction. Mais vous connaissez pas le régime du Dr. Zboob? Et c'est quoi, ce truc-là? Tu rentres la brioche... Qui sort la saucisse? Oh, mais qu'est-ce que t'es vulgaire? Et c'est comme ça toute l'année.